Le timing, il arrive à un moment en France où on est en train de s'éloigner à vitesse accélérée des rives de la démocratie, donc il n'est pas anodin. La raison pour laquelle on s'attaque d'abord à Telegram, c'est pour l'instant pas très clair. C'est probablement une cible facile, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à Pavel Durov que de s'attaquer à Elon Musk. Les capacités de rétaliation de Durov sont assez minces. Alors que Elon Musk ou Mark Zuckerberg, c'est une autre histoire, mais c'est un message adressé a priori à l'ensemble de l'entrepreneuriat numérique, que ce soit en France ou à l'international.